Bonsoir, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 21h avec toute l'équipe Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et Laurent. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir, Mohamed. Et, et jusqu'à 20h avec notre invité ce soir, la tête de liste RN aux élections européennes et en tête des sondages jusque-là. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir. Merci d'avoir accepté ce soir notre vous. invitation pour répondre à de nombreuses questions, notamment Émilie, le volet économique. Oui, pour redresser les comptes de la France, Gabriel Attal, qui va s'exprimer ce soir, veut mettre la France au travail et s'attaquer à l'assurance chômage, ce à quoi je crois notre invité n'est pas d'accord. Euh, Moi, votre story. On a appris il y a deux semaines qu'Aya Nakamura pouvait chanter lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Depuis deux semaines, elle est attaquée par des groupuscules d'extrême droite. Aujourd'hui, les ayants droit d'Edith Piaf. On dit que c'était une idée enthousiaste. Patrick, votre édito. Question pour un champion que pense réellement le champion des sondages de la menace russe et du soutien à l'Ukraine lorraine dans le 5 sur 5. On va revenir sur le départ truand du proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris, lui qui a été menacé de mort après avoir. Interdit à une jeune fille de mettre son voile. Euh, on a été parlé avec les camarades de cette jeune fille et vous allez voir que la rumeur a circulé beaucoup de fake news hein, au sein de ce lycée. Voilà tous les sujets d'actualité qu'on vous soumet ce soir, monsieur Bardella. Pierre, votre œil après 20h. Alors, peu de choses à voir avec vous, euh, Jordan Bardella. Poulet au vinaigre, l'inspecteur Lavardin. Restauré, resplendissant et savoureux. Les deux films que Claude Chabrol a tourné avec Jean Poiret ressortent dans un coffret indispensable que je vous présenterai tout à l'heure. Nos invités de C'est à vous la suite. Anthony Delon, qui publie aujourd'hui son premier roman, Bastingage, l'histoire d'une amour toxique. On croit reconnaître quand même certains rapprochements, certaines coïncidences, peut-être pas fortuites avec la réalité. On lui demandera si on s'est trompé. Et puis Florence Foresti nous a fait beaucoup rire avec son spectacle il y a deux ans, Boys, 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 qui sera rediffusé vendredi soir sur Canal. Elle est notre invitée ce soir à cette occasion, El Kizy fait une magnifique déclaration aux hommes dans ce spectacle, sans éluder toutes les questions soulevées par le mouvement MeToo. Le dîner est préparé ce soir par Jérôme Schilling, le chef du restaurant Lalique. Au château La Forie, et près de sauterne à Baume, il est aux côtés de Bertrand Chameroy. Bonsoir ma bête, 3, 4, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, anniversaire Réunis Traden-Guyen, joyeux anniversaire. Et pour fêter ça, notre chèvre... Joyeux anniversaire. J'ai pas prévu de gâteau. Non, mais du merlu, c'est déjà pas mal. As un merlu d'anniversaire. Je suis ravi de faire pour votre anniversaire et les invités de cette seconde partie de cuisiner ma, mon identité culinaire qui est la cuisine des vignes. Et eh bien voilà, merci beaucoup, Chef bonne sur ouais, Babette. Merci. merci beaucoup, Bertrand et euh, Chef, à tout à l'heure pour le dîner. C'est à vous tout de suite, les de Patrick Cohen. Édito, donc rempli de questions pour notre invité. Oui, une série de questions qu'on pourrait rassembler en une seule. Quel rapport entretient le premier parti d'opposition avec la plus grave crise géopolitique depuis des décennies Ainsi que l'a dit justement Marine Le Pen lors du débat sur l'Ukraine à l'Assemblée nationale. Que feriez-vous Qu'auriez-vous fait Si la crise est grave, il faut une ligne claire et je ne suis pas sûr. Enfin, euh, vous allez voir. Première question le soutien militaire, les armes. Quel type Quelle quantité Armée d'Ukraine Est-ce Entretenir un conflit sans fin, retarder la paix. C'est ce que disent vos principaux alliés au Parlement européen, les Italiens de Salvini, les Allemands de l'AFD, les Néerlandais de Gerd Wilders, tous poutinistes et ouvertement opposés aux livraisons d'armes à l'Ukraine. Vous, votre position au RN est officiellement inchangée depuis deux ans. Des armes, oui, mais rien d'offensif. Mais dans le détail, c'est soit flou, soit fluctuant. Attention, si nous livrons du matériel offensif, c'est-à-dire si la France livre des armes, matériel défensif, c'est du matériel, c'est du, du, du matériel médical, c'est du matériel pour les hôpitaux, c'est du matériel humanitaire. Je pense que le rôle de la France est de donner à l'Ukraine les moyens de tenir le front. Et précisément, ces moyens de tenir le front, ce sont des munitions, d'artillerie, des munitions. Euh, euh, D'obus, ce sont précisément des missiles anti -chars. Si on continue à livrer en réalité des armes à l'Ukraine, on ne fera euh, que euh, continuer euh, la boucherie et ce sera euh, la guerre de 100 ans. À la nation ukrainienne agressée, nous devons notre respect et notre soutien. Mais aussi au soutien matériel fourni à l'armée ukrainienne. Sur ce point, la France n'a pas à rougir de l'effort consenti, effort d'autant plus louable que notre appareil de défense commence tout juste à se remettre des terribles politiques de vos prédécesseurs. Voilà les questions. Est-ce que vous félicitez de l'effort de guerre français, Le Pen 2024 Est-ce qu'il faut stopper une guerre de 100 ans, Le Pen 2023 Trop ou comme il faut Est-ce que vous approuvez euh, l'accélération annoncée et les objectifs fixés euh, aujourd'hui 80 000 obus euh, cette année, 78 canons César. La réponse tout de suite Non, tout à l'heure. Ah ok, on, on prendra les, les questions dans l'ordre. Deuxième question, les conditions d'un arrêt du conflit. Oui, c'est l'un des reproches que Marine Le Pen fait régulièrement au président Macron, ne pas chercher à bâtir une, une médiation pour que, pour que les armes se taisent et que la négociation puisse enfin s'ouvrir, mais à cette perspective, vous avez posé une condition. Vladimir Poutine doit entendre qu'il ne peut y avoir de négociations et de paix s'il ne retire pas ses troupes de, de l'Ukraine. Stratégiquement et politiquement, il est illusoire de croire que la Russie va retirer ses troupes dans ce qui serait alors pour elle une défaite cinglante. Là, la question est simple qui donne la ligne au RN Le président. Ou la, candidate. la troisième question porte sur la gravité de la menace. Oui, c'est sûrement la plus importante, celle qui conditionne tout le reste. Au-delà de l'Ukraine, Vladimir Poutine est-il l'ennemi de la France, un danger pour l'Europe et le monde Question posée il y a une semaine, tout juste à Marine Le Pen. Je ne suis pas les cœurs et les reins de Vladimir Poutine. Euh, J'essaie de regarder les choses avec pragmatisme. La Russie n'a pas les moyens euh, militaires de pouvoir s'engager dans une forme euh, de, de guerre, euh, de, de territoire avec l'ensemble de l'Europe. Voilà, c'est ce que je pense. Maintenant, s'il s'avérait que Vladimir Poutine euh, euh, fasse la démonstration qu'il entendait euh, élargir en quelque sorte le territoire, il est évident que je réviserais euh, cette position. Voilà, en résumé, Poutine n'est pas une menace, mais euh, si j'ai tort, je le dirai et nous réagirons après l'attaque. Même question, Poutine est-il un danger pour les Européens Elle vous est posée, Jordan Bardella, fin février, en conférence de presse, trois jours après les propos d'Emmanuel Macron sur l'hypothèse de troupes au sol. Oui, euh, la Russie est dans une stratégie euh, offensive à l'égard de l'Europe. Je pense que euh, les déclarations belliqueuses du président Poutine représentent un danger pour notre sécurité personnelle. Comme nation. Ça fait deux ans que la Russie euh, joue l'escalade. Stratégie offensive, danger pour notre nation. Si la Russie de Poutine, avec qui Marine Le Pen voulait nouer une alliance il y a deux ans, c'était dans son programme présidentiel, si cette Russie nous menace réellement, quelles conséquences la France devrait-elle en tirer Je commence à répondre. Mmh. Parce que beaucoup de questions m'ont été posées ce soir. La guerre est venue frapper euh, aux portes de l'Europe. Euh, il y a maintenant deux ans, et nous nous sommes efforcés, euh, dans les convulsions de ce conflit et d'un monde de plus en plus incertain, de tenir une position euh, raisonnable, une position d'équilibre, qui était celle d'un soutien à l'Ukraine et d'un empêchement de tout conflit armé avec la Russie. Parce que précisément la Russie, euh, qui conteste aujourd'hui les intérêts européens aux portes de l'Europe, euh, est une puissance nucléaire. Euh, nous ne savons pas jusqu'où le président Poutine peut aller. Et par conséquent, je crois que euh, le rôle de la France est d'apporter un, un soutien logistique, défensif à l'Ukraine. Je me suis moi-même prononcé pour le soutien euh, au niveau des munitions, de l'envoi d'artillerie de défense, de missiles envoie. anti de oui. missiles antiaériens, pour l'accueil dans les pays européens. De réfugiés de guerre qui, le temps du conflit, auraient besoin d'une protection, qui serait celle d'une protection donc, politique par l'État. Donc pas de char, et, pas de canon, et deuxièmement, pas d'avion. Et deuxièmement, je pense que le rôle de la France est de fixer des lignes rouges, parce que ça a toujours été son rôle dans l'histoire, celle d'être cette troisième voie, qui doit nous permettre de dire. Oui à un soutien à l'Ukraine, mais non à une guerre frontale avec la Russie. Et je pense que pour éviter l'escalade, la France doit notamment consolider son architecture de sécurité à l'Est, et ça passe par un certain nombre de mesures la présence d'éléments militaires français en Roumanie, le soutien aérien aux Pays-Baltes et le respect de nos engagements de sécurité à l'égard de pays comme la Moldavie dans l'hypothèse où le président Poutine devrait, euh, 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 serait tenté, euh, et, et nous n'en savons rien, d'annexer la, la Transnistrie. Mais je pense que la position dans laquelle est tombé le président de la République depuis plusieurs mois est une position extrêmement dangereuse, qui inquiète les Français. Quand dans les couloirs de l'Elysée, d'après vos confrères du Monde, le président de la République, un verre de whisky à la main, mmh. s'exclame et... en disant « je serai contraint d'ici la fin de l'année, d'envoyer des gars ». C'est le whisky qui pose problème bon, Je ne sais pas si c'est le whisky qui pose problème. Le Ça Ça jamais... whisky n'a jamais tué personne. Ouais. Mais voyez bien qu'en euh, agitant la menace et l'hypothèse d'envoyer des troupes, s'isolant d'ailleurs sur la scène européenne, ouais. parce qu'il a été désavoué par l'intégralité de nos alliés européens comme de nos alliés de l'OTAN, il fait le jeu du Kremlin parce que précisément il expose les divisions du camp occidental à Vladimir Poutine, premièrement. Que et que Russie... deuxièmement, il inquiète, pardonnez-moi, les Français. Est-ce que les est Français que la qui est nous est regardent. Est-ce que la Russie est un danger existentiel, comme l'a dit Emmanuel Macron Est-ce que la Russie est une menace pour nous, pour nos nations européennes et pour nos démocraties Oui, je pense qu'elle est une menace aujourd'hui pour nos intérêts. Il suffit de regarder. Euh... Ça date pas d'hier. C'est euh... plus, plus que nos intérêts. Non. Euh... Non, mais la question est, est posée très simple. Est-ce que la Russie menace aujourd'hui les intérêts vitaux de la nation française au point d'engager des troupes armées au sol face à la Russie moi, je dis que non, et les Français consultés dans les sondages disent la même chose. Menace existentielle. Premièrement. On Deuxièmement, de menaces, la Russie conteste-t-elle aujourd'hui de manière féroce les intérêts français La réponse est oui. Il suffit d'aller regarder en Afrique, sur notre zone d'influence historique, la manière dont les milices privées, les milices Wagner, contestent les intérêts français. C'est un fait. On sait qu'il y a quelques semaines, des avions de l'armée de l'air française ont été mis en joue par des, euh, par des éléments militaires russes, contestant par là. Euh, une fois de plus, les intérêts français. Donc quand, on a raison de s'armer Russie... et de se protéger davantage Attends, contre cette menace. Il y a un rapport de force diplomatique, diplomatique. sur lequel il faut peser, bien sûr. Diplomatique Mais quand, à l'évidence. On n'a pas, pas de lien diplomatique avec la Russie. Regardez. On y viendra. Hum. Regardez à Mayotte, où Mayotte fait face depuis plusieurs mois et depuis plusieurs années à l'archipel des Comores. Qui par une politique de submersion migratoire et d'envoi de population des Comores à Mayotte souhaite récupérer l'intégrité territoriale d'une zone et d'un territoire français. Poutine soutient les Comores dans cette politique. Donc voyez bien que les intérêts français aujourd'hui sont contestés par la Russie. Maintenant faut-il faire la et guerre donc Face à, à... c'est que de la diplomatie. Maintenant faut-il faire la guerre à une puissance nucléaire Je réponds non. Je pense qu'il faut beaucoup de sang-froid dans cette situation. Je pense que et de, et de, et de, il faudra et de, et de clarté et de cohérence. Je pense qu'il ne faut cesser de défendre l'idée de la paix. Et le moment où tous les acteurs devront se remettre autour de la table pour négocier et pour faire taire les uns, parce que l'Ukraine est précisément un, un cimetière à ciel ouvert. Est-ce que c'est près de le 500 000 de des troupes russes au début du conflit Et moi, je dis une chose très simple, et je l'ai dit, faites-moi grâce de cela dans une tribune à l'opinion au début de l'année 2023, oui. que euh, il nous y avons une naïveté collective à l'égard de Poutine. Et bien sûr, et que la première des conditions pour négocier la paix, c'est le retrait des troupes russes d'Ukraine, à l'évidence. D'accord. Illusoire, a dit Marine Le Pen. On vient de l'entendre à la tribune non, de l'Assemblée nationale. La... C'est illusoire il... de penser que Poutine va retirer ses troupes du Non, coup. il est illusoire de penser que l'état actuel des choses, c'est une évidence. Mais je dis qu'il ne peut pas y avoir de négociation. Je veux dire, pour négocier, il faut être en position de force. Et il ne peut pas y avoir de négociation si la Russie n'entend pas, et c'est précisément ce que j'avais et ce que j'ai toujours défendu depuis le début de ce conflit, n'entend pas qu'elle n'a rien à gagner en Ukraine. Mmh. Et la plus grave erreur, probablement stratégique, du président de la Russie et d'avoir redonné vie à l'OTAN. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, Quelques mois avant le début de la guerre, le président de la République lui-même indiquait que l'OTAN était en dénat de mort cérébrale. Et la plus grave erreur du président Poutine est sans doute d'avoir poussé, de son point de vue, dans les bras de l'OTAN des pays comme la Suède ou comme la Finlande, qui de tout temps ont refusé précisément de rejoindre l'Alliance. Vous êtes donc candidat à l'élection européenne, euh, au Parlement européen, où vous siégez dans le groupe Identité et Démocratie, aux côtés de, euh, des Néerlandais de Gerd Wilders, de la Ligue de Matteo Salvini, et des Allemands de l'AFD, dont certains des membres Proposait, on le sait, un projet de remigration, donc d'expulsion de plusieurs centaines est de personnes. C'est contesté par la direction de l'AFD. Vous avez dit être hostile à ce projet, mais pour autant, vous souhaitez toujours siéger au sein de ce groupe. Vos alliés ne sont-ils pas encombrants et de plus en plus encombrants Mais je vais vous dire, moi, je suis euh, euh, l'avocat de, de mon mouvement, mmh. de mes idées et de ma campagne. Je ne suis pas l'avocat de mouvements politiques Avec qui siègent au Parlement européen. Bah, écoutez, à l'évidence, mmh. nous avons vocation arriver au pouvoir hum. et nous avons vocation parfois on vous sent plus et proche de Georgia Meloni que de vos alliés actuels au Parlement européen. Non, mais moi je travaillerai demain avec l'ensemble des dirigeants politiques qui sera qui seront démocratiquement élus dans les différents États européens. Donc une alliance ce que est je, est possible je note, avec l'autre groupe souverainiste auquel appartient Georgia Meloni. Mais les équilibres des groupes vont très certainement bouger à l'issue des élections européennes. Pour une raison le très c'est de rester tout le temps majoritaire majori... une... au Parlement. Écoutez euh, pour la première fois. Dans l'histoire des élections européennes, nous avons la possibilité de faire émerger une minorité de blocage. Moi, je dis aux Français, il faut aller voter le 9 juin prochain. Parce qu'une grande partie de ce que vous subissez dans votre quotidien, de la politique d'immigration, au prix de l'électricité, en passant par ce que vous avez dans votre assiette, ça a des conséquences chez vous, mais c'est décidé à Bruxelles. Donc il faut envoyer dans l'hémicycle du Parlement européen un maximum d'eurodéputés patriotes en France, mais aussi partout en Europe, mm -hmm. qui défendent l'intérêt des peuples et qui défendent l'intérêt des nations. Donc, y compris vous rapprocher du parti de Georges Meloni à Bruxelles. Mais écoutez-moi, je ferai alliance. Ça, ben, je vais vous dire, moi j'ai un projet très simple. Alors, souvent on est attaqué en disant vous voulez détruire l'Europe, vous voulez en sortir. Je ne veux pas sortir de l'Union européenne parce que quand on est à la table des négociations, et qu'on est en train de gagner la partie, on ne quitte pas la et table quel, des quel négociations. Quelle quel partie vous gagnez-vous Vous dites tout le temps ça, on est en train de gagner la partie, mais quelle partie Là, je pense d'une minorité. Je de que les idées mais... au Parlement européen, c'est combien oui, une... C'est quelle part du Parlement Ça euh... ne vous aura pas échappé, Monsieur Cohen, que les intentions de vote aujourd'hui nous donnent potentiellement gagnant des élections européennes, mais aussi potentiellement gagnant, c'est une hypothèse de la prochaine élection présidentielle oui, au, au Parlement européen. Je pense... Pardon, c'est le PPE resterait largement, largement majoritaire. Le, le majoritaire oui, euh, enfin. Et... Écoutez, on parlait de l'Italie tout à l'heure. Euh, le PPE, bah, sondages, un rapport. De, de feu Monsieur Berlusconi peine difficilement à atteindre les 5 dans les sondages. Et la droite républicaine française, on ne peut pas dire qu'elle soit en bon état. Par conséquent, moi, je veux rassembler tous ceux qui, en Europe, veulent défendre l'intérêt des peuples, l'intérêt des nations. Et je dis aux Français que le 9 juin, c'est un choix très clair entre l'Europe de Macron, celle qui prône la décroissance agricole, qui a mis nos agriculteurs dans la rue, celle qui prive les Français d'un prix de l'électricité et d'un prix de l'énergie français. Celle qui impose la répartition obligatoire, c'est le pacte pour l'immigration dans les communes françaises, sous contrainte de menaces financières. C'est-à-dire que si euh, on refuse, c'est ce pacte pour l'immigration, si on refuse des migrants dans les communes françaises, les communes françaises devront. Payer non, des non, non. Ce sont non, ça non, les grands choix. C'est absolument faux pourquoi ce que vous dites faux C'est faux. faux. Les pays, chaque pays no, 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 soit d'accueillir du... dans un mécanisme Soir de solidarité, de soit de payer une contribution les au système. Et no, 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 c'est no, 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 mais Non mais no, mais c'est moi du l'argent Mais non Mais pardon mais, pardon, pas comme ça que mais ça que ça Mais enfin no, Cohen, c'est L'argent du contribuable, l'argent il pas les communes, les, les États ont le choix, soit d'accueillir des migrants de dans, un, dans un organisme Bien de solidarité. Ça ne vous aura pas échappé qu'on a baissé les dotations globales les des fonctionnements des communes oui. depuis maintenant plusieurs années et qu'on leur a sucré un certain nombre non. de, euh, de dotations. Communes. Bah, si, quand même. Pardonnez-moi, c'est l'impôt du contribuable. Et donc, si on veut aller plus loin, ce sont donc les Français qui devront payer la Commission européenne s'ils si refusent d'avoir des migrants dans leurs communes. C'est ça la réalité. Et donc, ce 9 juin, c'est aussi un choix entre ceux vous qui acceptent à la, la subvention migratoire. Et ceux qui la refusent. Et pour vous répondre, vous savez, vous savez, il y a beaucoup genre, de partis politiques qui, qui a, qui a, qui a oui. en Europe qui a, qui a inspiré ce processus. Mais je, vous me parlez de Mme Mélanie. Je ne vous ai pas parlé de Mme Mélonie Moi, je combats ce pacte pour les migrations. On en parlait il y a une minute à propos oui. des alliances éventuelles au mais, Parlement européen. c'est vous qui m'avez parlé de Mme Mélonie Mme Mélonie elle est l'alliée dans cette campagne d'Éric Zemmour oui. et de Marion Maréchal. C'est à eux qu'il faut poser la question, puisque précisément, vous, venez, Eric Zemmour, vous étiez prêt à envisager une alliance ces... avec tous les partis. Mais euh... pas avec les partis qui vont soutenir Ursula von der Leyen. Il se trouve que dans cette campagne européenne, ils pensaient toujours en parler, jamais. Oui. Madame Mélanie s'apprête à soutenir pour un deuxième mandat Madame von der Leyen. Vrai. Donc il faut poser restez, la question à Eric restez Zemmour restez et à Marion Marchal, qui, qui in vont donc de soutenir vous vous des restez gens restez isolés au Parlement qui Mais pas du tout. Il y a beaucoup de partis politiques dans ce groupe ECR. Mais enfin, ça, si vous voulez, c'est de la cuisine. Bah, bah non. Mais, Si, si, c'est de la cuisine des couloirs du Parlement européen. à quoi, qu à quoi, faire passer à quoi ça sert de voter je pour vous oui, la aux question Français, Je dis aux Français que le 9 juin est un référendum sur la politique gouvernementale, mais aussi sur l'Europe de Macron. Et que s'il ne se soucie pas de l'Union européenne, alors c'est l'Union européenne qui va venir se soucier d'eux. Le Parlement européen, vous siégez depuis 2019. Il y a certains qui vous reprochent de ne pas y être. Assez, euh, votre absentéisme à Strasbourg, vous, je... vous avez opposé un taux de présence de 94%. 94%. Et... Un tout petit peu moins que certains de vos concurrents aux, aux Européennes. Mais en 5 ans, pour regarder un autre chiffre, vous avez déposé 21 amendements d'après euh, un décompte arrêté en fin d'année dernière. Manon Aubry de la France Insoumise en avait déposé 3460. Ça a changé quoi euh, je, je, Ah oui, d'accord. 3460. Non, non mais c'est pour... une question intéressante. Déplacer des virgules... Euh... Bah, non, une mais, conception non mais... Du aussi, cours politique. Mais... mais, on, mais, mais on regarde les si, amendements. si les Français qui nous regardent ce soir ont le sentiment que les, les amendements de déplacement de virgule de Madame Aubry ont changé leur quotidien. Je, 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 je termine de ma question. Madame Aubry a LFI 3460 amendements. Raphaël Glucksmann 2033. Euh, D'autres 1200. Euh, Est-ce que ce sont eux qui en font trop, vous pas assez Est-ce que ça change absolument non, rien je Vous, vous n'avez rien à proposer Non mais... Euh, je veux dire, je suis très fier de mon travail au Parlement européen. Parce que j'ai rempli le rôle que m'a confié la démocratie il y a cinq ans. Il ne faut pas avoir de mépris pour la démocratie et pour l'opposition. Parce que l'opposition dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas vocation à y rester. Nous avons précisément vocation demain à être de l'autre côté. Par conséquent, ceux qui ont des comptes à rendre sont ceux qui sont au pouvoir. Lorsque je serai au pouvoir. Et lorsque nous exercerons les idées pour lesquelles nous nous sommes toujours battus, alors sans doute, parce que c'est le jeu de la démocratie, nous aurons des comptes à rendre. Et je peux vous dire que je suis extrêmement fier pendant 5 ans d'avoir combattu la politique qui a été conduite par l'Europe de Macron. Gauche, droite, Macronie, vote 80% des textes en commun. Nous sommes et nous avons été la seule force d'opposition au Parlement européen. J'ai combattu le pacte vert et l'écologie punitive qui imposent aujourd'hui à nos agriculteurs une stratégie de décroissance agricole qui les met en concurrence avec des produits du bout du monde et qui, en plus, leur demande de baisser de 15 à 20 leurs exploitations agricoles, ce qui va entraîner non seulement une hausse du coût de l'alimentation, mais en plus, une dépendance aux importations. Je suis très fier de combattre, M. Cohen, nous en avons parlé, le pacte pour l'immigration qui, précisément, va accélérer la répartition obligatoire des migrants dans les communes françaises. Donc, j'ai mené le combat pour lequel j'ai été élu et euh, si j'étais aussi absent qu'ils le disent au Parlement européen, sans doute que je ne serais pas donné aujourd'hui en tête de ces élections européennes et peut-être que les Français qui votent pour moi et qui votent pour nous, trouve peut-être un intérêt à ce que je sois dans la vie politique. En tout cas, je, je l'espère parce que c'est précisément vous, pour eux que je me bats. Vous avez annoncé ce week-end que l'essayiste Malika Sorel, autrefois proche de François Fillon, est numéro 2 sur votre liste aux Européennes. Le Canard Enchaîné, dans son édition d'aujourd'hui, fait état d'offres de services de sa part à Emmanuel Macron lors du dernier remaniement. Elle s'en est expliquée hier lors des états généraux de l'immigration auxquels vous avez participé. Quelqu'un m'a donné son portable, m'a supplié de l'appeler pour lui faire entendre raison parce qu'il estimait qu'Emmanuel Macron prenait des décisions à rebours des intérêts de la France et du peuple français. J'ai redit ma volonté d'aider la France en particulier sur les questions de l'éducation. Je lui ai dit que le général de Gaulle avait à ses côtés Couve de Merville et André Malraux et que Emmanuel Macron avait Stéphane Séjourné et Rachida Dati à la culture. J'assume d'avoir voulu servir la France. Ça vous étonne Vous étiez au courant qu'elle avait proposé ses services au président avant de vous rejoindre Mais enfin, évidence. Malika Sorel est une grande intellectuelle française qui a servi la République depuis plusieurs années. Elle a servi Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy au sein du Haut Conseil à l'Intégration, François Fillon. Et aujourd'hui, elle a travaillé d'ailleurs aussi avec des gens qui, à gauche, sont venus la consulter. Et peut-être qu'Emmanuel Macron aurait dû prendre Malika Sorel. Euh, dans ces équipes, parce que précisément les idées que Malika Sorel défend depuis 20 ans sont à rebours d'une politique euh, que mène euh, aujourd'hui Madame Belloubet à l'éducation nationale, qui est l'incarnation du laisser-aller socialiste par excellence et qui a amené, d'après ce que Malika Sorel appelle dans ses livres, la décomposition française. C'est-à-dire que la politique migratoire qui est menée depuis 30 ans, les renoncements du quotidien, comme nous l'avons encore vu euh, euh, cette semaine, euh, ont créé aujourd'hui dans le pays une archipélisation du territoire qui fait que la république n'est plus entendue, qu'elle n'est plus respectée et que ses valeurs vous, vous sont vous bafouées. Par conséquent de la depuis... Sorel dans un gouvernement euh, ah, de certainement Attal. plus que, euh, bon. que celle de Mme Belouba mais vous voyez euh, aujourd'hui moi je suis tête de liste aux élections européennes et je prépare précisément l'arrivée de mon mouvement politique au pouvoir. Pour Le rassemblement ça. certains en parlent moi, je le fais. Je suis très heureux d'avoir quelqu'un comme mmh. Malika Sorel, que je lis et que j'écoute depuis plusieurs années. Et j'ai aussi en troisième de liste Fabrice Leggeri, qui est l'ancien patron mmh. de l'agence de garde frontières européenne Frontex, qui est un grand serviteur de l'État. Et, et nous avons aujourd'hui des profils effectivement, de très haut niveau qui travaillent vous. Pour à nos expliquer côtés. son ralliement à votre liste, Malika Sorel, qui est fille d'Algérien, a salué dans le Figaro l'engagement main dans la main de deux enfants de l'immigration pour rendre à la France l'amour qu'elle leur a donné. Référence à vos origines italiennes. Vos parents ont, tous les deux émigrés, d'Italie. En France, une histoire sur laquelle vous ne vous êtes jusque-là pas beaucoup confié. vous pourriez le faire plus à l'occasion de cette campagne, notamment dans une autobiographie dont on entend beaucoup parler, un titre est même évoqué. Jordan, venu d'ailleurs, revenu, de, de, venu d'ailleurs, devenu oui. euh, d'ici, c'est un projet qui est réellement en cours. Oui, alors pas sur ce pas sur ce titre ni sur ce sous-titre qui avait été la proposition de, de l'un des éditeurs euh, qui m'a qui, qui m'avait approché dans ce cadre, mais euh, je, je pense que. Les écrits, ça reste. Et une émission euh, comme ce soir, ça sera euh, commenté. Je serai euh, réinvité sur votre plateau et on aura euh, l'occasion de débattre d'autres sujets. C'est normal, c'est la vie politique. C'est vrai, oui. ça reste. Et, et vous me ressortirez sans doute les archives dans quelques années. Mais je vous ai fait plein d'archives vous avez vous avez hein. en début d'émission. Ouais. Ouais. Je pense que, elles sont, c est, c est je pense que les écrits, hein. Hein. ça reste. Oui. Donc euh, euh, j'écris effectivement. Euh, ce, ce livre qui sortira après les élections européennes ah, et l'idée, pas une pas autobiographie. Avant, il faudrait pas que les Français vous connaissent avant de voter pour vous et éventuellement. Euh, je euh, me fais connaître sur mes idées par l'intermédiaire de, de, de vos de vos questionnements qui sont toujours aussi pugnaces et sont nécessaires à éclairer, je pense, le pays sur les, mmh. les enjeux démocratiques et sur les problèmes des différents candidats. Mais chaque chose en son temps et, et j'aurai l'occasion euh, dans un temps autre que celui électoral euh, de, de de raconter un petit peu euh, la, la politique de l'intérieur parce que. J'ai 28 ans et mais en, en première ligne, je pense que les Français aimeraient un petit peu savoir comment ça se passe de l'autre côté du rideau. Et donc je, je compte leur dire à l'occasion de ce livre. Ce n'est pas encore le temps des mémoires. Bon, je pense avec... que le temps des mémoires a pas vraiment sonné. <laughs> euh, Laissez-moi quelques années encore. Est-ce <laughs> que vos parents ont donné leur accord pour témoigner dans l'émission Ambition Intime de Karine Lemarchand qui, est, qui serait en cours de tournage alors, non seulement ils ont donné leur accord, mais en plus ils m'ont fait la surprise de le faire. Je n'étais pas au courant. Et donc, euh, donc les Français auront la, la joie et le plaisir de découvrir mes parents. Quelle est votre ambition, euh, dans, cette, Alors. dans cette émission. Alors, je suis suivi par, euh, par les équipes de, de Karine Lemarchand sur, euh, sur, sur plusieurs mois. Ils suivent oui. également d'autres responsables politiques. Euh, sur euh, les coulisses et la manière dont on est, euh, on reste des, des femmes et des hommes avec, avec un cœur, avec des sentiments. Euh, avec de la passion, avec des convictions. Et, et, et vous savez, quand euh, on sort des plateaux de télé, euh, on est monsieur et madame tout le monde. En tout cas, moi, je le reste. <laughs> Juste une, une question euh, qui a un petit rapport avec les élections européennes. Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, le RN et la direction du parti des années 2010, euh, soupçonnés de détournement de fonds européens, seront jugés, on l'a appris aujourd'hui, du 30 septembre au 27 novembre par le tribunal correctionnel de paris c'est ce qu'a annoncé donc aujourd'hui cette juridiction. au delà de la, la redoutée, c'est un procès que vous attendez avec impatience. Oh, c'est un procès qui aura lieu après les élections européennes. Euh, vous savez qu'il y, euh, y a plusieurs mouvements politiques qui sont concernés en france par cette euh, procédure qui est initiée par le parlement européen. en fait il y a pour, pour, pour simplifier un peu les choses parce que l'affaire est complexe euh, on reproche à des assistants parlementaires de députés européens d'avoir fait de la politique et non pas de travailler pour le Parlement européen. Bon, il se trouve qu'il y a une différence d'appréciation sur le statut de l'assistant parlementaire entre les partis politiques français, puisque nous sommes concernés, la majorité présidentielle est concernée, la gauche de Jean-Luc Mélenchon est également concernée, et nous démontrerons devant les tribunaux euh, notre, notre bonne foi à cette, à cette occasion. Il y a eu un, un jugement déjà, hein, celui, celui contre le Modem qui a été condamné. Oui, enfin... Les... C'était exactement la même chose. Bah non, je... ah bon François Bayrou n'était pas, pas député européen, donc, euh, donc on ne peut pas dire que ce soit la, la même chose, mais... Non, Sur mais, le fond, pardon. là où je vous rejoins, c'est que c'est le même reproche qui ouais. est formulé à ces mouvements. Ah, et Donc, mais les affaires ne sont pas et, exactement et les mêmes. Et des condamnations ont été prononcées. Oui, enfin quand même un peu plus faibles que ce qui était, ce qui était attendu par, par le modem. Vous êtes en campagne, Donc, pas seulement commencé. auprès des Français en déplacement ou en meeting, mais aussi auprès des organisations patronales. C'était le cas il y a une semaine pour présenter le volet économique et social de votre programme face aux chefs des petites et moyennes entreprises. Sur euh, les, euh, les, les, les seuils, euh, moi j'ai évoqué, euh, évoqué ce délai de trois ans, parce que je pense que ce délai de trois ans... Euh, il est... Euh, il y M. Bardella, mais euh, on a déjà, depuis Pacte 1, un délai de 5 ans en France pour franchir pas pour ça. tous les critères. Euh, si, c'est tous les critères sociaux et économiques. Bon, C'était une opération séduction pas complètement réussie oh bah, Vous êtes un peu de mauvaise foi de sortir euh, 4 secondes sur euh, 2 fois une heure d'entretien avec les patrons. Euh, et, et, et M. Asselin, en l'occurrence le patron de la CPME, je, je suis désolé, mais je maintiens ma proposition. J'ai bien vu qu'il avait passé l'intégralité de, de la semaine à, à dire tout le mal qu'il pensait de moi et de mon projet économique. Sans doute n'est-il pas électeur du Rassemblement national, mais c'est pas très grave. Il y a beaucoup de patrons qui votent pour le RN, puisque nous sommes dans les intentions de vote de l'Ifop données en mais tête chez il les patrons. en 2022 que et, le Rassemblement et national, Je suis désolé, était mais, mais, dangereux. mais on peut, si vous voulez, attendez, on peut, attendez, on peut rentrer dans l'intimité du dossier. C'est-à-dire que moi, je défends un délai de carence en cas de franchissement de seuil. C'est-à-dire quand vous êtes une entreprise que vous passez dans le seuil supérieur, soit pour votre chiffre d'affaires, soit pour ouais. votre nombre de salariés, qu'il y ait un délai de carence qui s'applique. Monsieur Asselin me dit il y a déjà un délai de carence. Ouais. Pas pour tous les critères. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des dizaines d'articles du code du travail. Par exemple, pour mettre en place un CSE, qui est le nouveau nom du comité d'entreprise, le délai de carence dont il fait mention de 5 ans ne s'applique pas. Par conséquent, moi, je souhaite, pour une logique de simplification, pour simplifier la vie de nos chefs d'entreprise, de pouvoir généraliser ce délai de carence à l'ensemble des critères. Mais voilà, Monsieur Astin, il cherche à me, à me taquiner parce qu'on est à deux mois des élections européennes. Les patrons, est-ce est est que, que je... ça comprend aussi les grands patrons On vous a vu à station F, par exemple chez Xavier Niel euh, en décembre dernier. Est-ce que aussi euh, vous trouvez qu'ils apportent du dynamisme à l'économie française et qu'ils sont euh, utiles, qu'ils jouent un rôle social important oh, bah, Je pense que non seulement ils apportent du dynamisme à l'économie française, mais qu'en plus ils font euh, rayonner euh, la France à l'international. Euh, vous mentionniez euh, Xavier Niel lorsqu'il lance euh, ce projet de QTI qui vise à valoriser et à développer l'intelligence artificielle. Je pense que l'État doit être au soutien de ce type de projet parce que précisément, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et le retard qu'on est en train de prendre, parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui apparaît, les États-Unis en font commerce, les Chinois la plagient, les donc Européens, star... eux, se, se, se contentent de réguler. Star... On a les, meilleurs chercheurs, les meilleurs chercheurs aujourd'hui qui viennent euh, de Polytech, de Cachan, et donc il faut investir, valoriser, accompagner le développement de l'intelligence artificielle. Donc moi, je n'oppose pas les Français les uns aux autres. Est je que je pas à... non plus, pardon, je n'oppose pas non plus les gros, les petits. Je veux réconcilier tous les Français oui, oui, parce que je pense que le pays manque d'unité et donc euh, les grands patrons euh, euh, génèrent aussi des, des milliers d'emplois. Mais j'ai encore dans l'oreille les campagnes de Marine Le Pen contre l'oligarchie, mot qu'elle avait plusieurs fois prononcé en 2017 pour sa campagne présidentielle de 2017. Il y a un virage du Rassemblement national là-dessus Mais il n'y a pas de virage. L'oligarchie. Je pense oui. qu'il y a. Non, mais attendez, il y a beaucoup de, de gens qui, qui appartiennent à cette France qui encore va bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui, économiquement, vivent bien et qui ont encore la chance aujourd'hui d'être protégés de l'insécurité compte tenu de l'endroit où ils vivent. Mais précisément, beaucoup de gens parmi ces élites sont en train de se rendre compte du délitement généralisé du pays, du record des déficits publics, du record du déficit commercial, de l'effondrement des mmh. services publics, de la manière dont l'immigration massive telle qu'elle s'applique en France change totalement l'identité de notre société. Et moi, je veux aussi parler à cette France-là et je veux précisément. Euh, 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 projeter le pays dans ce temps de l'espérance. Et pour projeter le pays dans ce temps de l'espérance, je veux réconcilier tous les Français qui aiment la France, qui ont envie que la France réussisse, pour pouvoir la projeter tous ensemble vers les grands défis du XXIe siècle. Et parmi ces grands défis, j'ai cité celui de l'intelligence artificielle, oui. qui nécessite une énergie. Pas cher pour son carburant, et ça, ça se décide aussi dans le carburant. Justement, dans, dans les autres grands défis, vous parliez du déficit public là qui euh, qui dérape. Pour euh, y remédier, Gabriel Attal, qui va s'exprimer ce soir, veut euh, s'attaquer à l'assurance chômage. Il y a les durées d'indemnisation qui pourraient être réduites. Marine Le Pen a dit qu'elle s'y opposait. Vous êtes euh... Écoutez, moi, je pense que c'est extrêmement périlleux euh, de, de s'attaquer euh, euh, aux chômeurs quand euh, pour le troisième trimestre consécutif, la croissance française est en berne. Et que euh, le taux de chômage, précisément, remonte aujourd'hui. Je pense que c'est extrêmement périlleux. Je pense que ça n'est pas courageux. On sait que le chômage, c'est 4,8% de la dépense publique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'abus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de fraude. Il faut lutter contre les abus. Il faut lutter contre les fraudes. Mais je pense qu'il y a des tabous aujourd'hui dans la dépense publique qui ne sont pas brisés. Je pense qu'il y a un tabou à briser, c'est celui de l'immigration de guichets sociaux. Il y a aujourd'hui une générosité du modèle français. Et vous savez qu'en la matière, nous ça sommes favorables. 9, 9, 9 millions d'euros vous dites que vous pourriez économiser 000, 16 milliards. 000... Non, 9 milliards. 9 milliards, ouais, vous dites 9, que vous alors, 10 à 15, 16 milliards. 10 à 15 milliards d'euros. Je vous donne des chiffres. Regardez, même l'Institut... Hein. Mais non, mais attendez, même l'Institut Montaigne non, non, qui n'est pas non, tendre avec non, nous. Non, non. Quoi, non? Je n'ai ben, même pas encore euh, parlé. Je sais ce que vous allez dire, mais ah. c'est faux. La Cité Montagne n'a jamais validé vos, vos chiffres sur l'immigration. Non, non il, 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 en, il donne même le sien. Réserver les allocations familiales aux, aux familles françaises. Oui. 3 milliards. Oui, enfin, c'est surtout une révision <laughs> de la constitution. Attendez, c'est surtout le... une ré... Attendez, pardon, il, faudrait, il faut un référendum Monsieur pour l. ça. Vous me dites que c'est pas vrai. Il faut changer la Réserver constitution. Réserver les allocations familiales aux familles françaises. Je pense qu'une immense majorité des Français est pour. On gagne 3 milliards d'euros. Référendum. Le RSA conditionné à 50 de temps. Travaille temps plein sur le territoire français. Oui. 2,5 milliards d'euros. Oui. Le traitement de l'asile dans les ambassades et consulats des pays départs, comme nous le proposons, 1,6 milliard d'euros. Etc, etc. Pourquoi est-ce que quand on cherche des économies dans la dépense publique, on s'attaque toujours aux Français et notamment aux Français les plus précaires et qu'on ne va jamais chercher du côté de la générosité du modèle social avec la terre entière Moi, je dis qu'il faut briser ce tabou. Je pense qu'il faut également briser le tabou des luttes contre les fraudes. Il y a dans notre pays le 75 millions dassurés sociaux, sociaux dans un pays de 68 millions d'habitants. Ça, ça c'est fou. Ce so fou. Non mais dis ça c'est faux. C'est les chiffres de la Cour des comptes, Monsieur Cohen. Non, non, Vous non, pouvez non, écouter non, contester non. les chiffres je de la Cour des comptes Il y a plusieurs mois là-dessus, c'est pas, c'est pas vrai. Ah, bah, Excusez-moi. Ah, écoutez, on en discutera ensemble. Vous me donnerez peut-être l'exactitude, mais en tout cas, c'est les chiffres qui nous sont donnés par la Cour des comptes. Que dit Non mais attendez. Le CEPI ouais. qui est rattaché à Matignon nous, dit, quoi, conclure. nous dit que l'immigration nous coûte 40 milliards d'euros aux finances publiques. Donc il y a de l'argent à aller chercher. Et moi je pense qu'il y a des économies de bon sens à faire dans les finances publiques et que en fait au-dessus de tout on peut toujours aller chercher quelques dizaines de milliards d'euros. Il faut le faire, il faut lutter contre les gaspillages. Mais le meilleur moyen d'honorer nos engagements, de rembourser la dette, c'est de déverrouiller. Les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la croissance, parce que en créant de la richesse, en recréant un cycle économique vertueux, en permettant à nos entreprises, à la en permettant de richesse, à nos entreprises, notamment. ah bon, oui, vous en connaissez, le, non mais vous il, connaissez, ils le... contribuent, vous sûr. connaissez, ils taux... il contribuent ah, même plus mais. que les Français, conne... puisqu'ils sont plus dans la catégorie monsieur, de, de l'âge. Monsieur Cohen, vous qui, a, vous qui avez l'air euh, euh, très confiant avec les chiffres, vous connaissez le taux de chômage des étrangers en France Il faut conclure. Il est un peu plus élevé, oui. C'est-à-dire. Oui, il est plus élevé, mais ils font partie... Non, les immigrants de France font partie de la catégorie la plus active. Attendez. Il n'est pas... Une, une pas plus élevé. Il est deux fois supérieur au taux de chômage des citoyens français. Selon l'INSEE, 7% de taux de chômage oui. pour les Français, 14% pour les étrangers. Donc, il y a le sujet des métiers en tension, on parle de 300 à 350 000 emplois par an. Mais on ne peut pas dire que l'immigration, quand on a 5 millions de chômeurs, 1 million de 100 000 foyers qui attendent aujourd'hui un logement social et des comptes publics qui sont dans une situation... Cataclysmique du fait de la politique qui est menée par Emmanuel Macron depuis sept ans, que l'immigration, qui est en grande partie une immigration peu qualifiée, vient apporter de la richesse. En revanche, ce que je sais, c'est une chose c'est que l'immigration aujourd'hui en France contribue à piller les États africains d'une jeunesse et d'une classe moyenne qui pourrait servir au développement de ces États africains et précisément à la reconquête par ces États de leur souveraineté. Si on veut se protéger de flux migratoires majeurs qui arrivent dans le siècle qui vient, il faut avoir une relation gagnant-gagnante avec l'Afrique. Et il faut permettre à ces pays-là de conserver leur jeunesse bon. et leur classe moyenne. On a beaucoup d'autres sujets à vous soumettre. La story de Mohamed Mouafsi, tout de suite. Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Qui pourrait chanter une chanson, oui. on le sait maintenant. Oui, depuis deux semaines, l'hypothèse de voir Aya Nakamura ouvrir les Jeux Olympiques fait polémique. Tout a commencé avec le groupeuscule d'extrême droite, les Natifs, qui déployaient cette banderole. Il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. La chanteuse franco-malienne a ensuite été critiquée par plusieurs personnalités d'extrême droite. Mais Aya Nakamura bénéficie d'un soutien de poids, aujourd'hui, celui des ayants droit d'Edith Piaf. Je la connais pas. Mais apparemment, de ce que j'ai entendu dire, c'est qu'elle était mondialement connue, qu'elle plaisait beaucoup aux jeunes. Alors, si elle est d'une grande notoriété, je pense qu'elle chantera avec beaucoup, beaucoup de respect. Je pense que pour elle aussi, c'est un honneur de chanter une chanson d'édite, si c'est elle qui choisit. Mais je crois que rien n'est définitif encore. Ayane Nakamura pourrait donc interpréter l'hymne à l'amour ou la vie en rose, une idée qui ne plaît pas du tout à votre chef, Jordan Bardella, Marine Le Pen, qui a des arguments pas très élégants, frôlant même la misogynie. Yana Nakamura est, est euh, 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 honnêtement bon. Je vais même pas vous parler de l'entourage. Euh, bon, euh, je vais vous parler euh, de sa tenue, de sa euh, vulgarité, du fait qu'elle chante pas français. Elle se chante d'ailleurs pas étranger non plus. Elle chante on sait pas quoi. C'est du métissage. Euh, euh, c'est non, c'est pas du métissage. C'est du, du n'importe quoi. Enfin, pardon, regardez, lisez euh, les paroles de ses chansons. C'est pas du métissage. Non, c'est pas vrai. Euh, euh, voilà, alors que ça plaise à des gens très bien, que ça représente. La France, non, je suis désolé, moi euh, ça me ça me déplaît. Alors, on ne va pas digresser sur la tenue, ce n'était pas obligatoire Jordan Bardella. En revanche, on peut s'arrêter quelques secondes sur le fait qu'elle ne chanterait pas en français, un premier argument irrecevable selon les linguistes. Elle parle évidemment français, c'est une artiste qui chante en français. Vous avez par exemple Daron. C'est très ancien, Daron, ça date du 17e, 18e, c'était déjà employé. C'était un mot vraiment de l'argot. Elle utilise en effet pas mal d'argot dans ses chansons. Et dit Piaf Mais alors un argot très urbain, très parisien. Ça l'était parfois chez Gainsbourg, chez Dutronc euh, Renault. C'est-à-dire que c'est aussi un, un, un jeu avec le langage, une créativité. Une langue vivante, c'est précisément la langue qui a la capacité de s'augmenter en empruntant. Aux langues étrangères, à elles-mêmes. Et en fait, les seules langues qui n'évoluent pas, c'est les langues mortes. En tout cas, je trouve ça pas ridicule du tout de les comparer. Ouais. Alors, on a souhaité aller encore plus loin et sonder les institutions de notre langue. Est-ce qu'Ayane Komura fait réellement du mal à la langue française Pour l'immortel Jean-Marie Rouard, c'est complètement faux et les parallèles qu'il dresse sont savoureux. Regardez. Elle n'est pas dangereuse en elle-même. Elle joue, elle s'amuse avec la langue. Bon, et ça. Tous les écrivains ont plus ou moins joué. Louis Ferdinand Céline a un peu joué la langue française. Georges Pérec, qui avait supprimé toutes les voyelles dans un de Ça, ça fait partie de la liberté artistique. Je ne vois pas ce qu'on peut redire sur cette jeune femme qui, à sa manière, est talentueuse et, et, et ne, ne détruit pas la langue française. Et les chiffres dans tout ça, ils sont incroyables. Aya Nakamura totalise 6 milliards d'écoutes sur les plateformes. Elle cumule près de 4 milliards de vues sur YouTube. Les plus grandes stars internationales ont repris ses titres. Elle est déjà l'une des portes-drapeaux de la francophonie. La richesse de la francophonie, c'est de pouvoir faire rayonner et de pouvoir valoriser justement cette langue avec tous ses accents. Et c'est ce qu'elle fait. Qu'on le veuille ou pas, elle fait rayonner de façon tout à fait exceptionnelle euh, la langue française avec toute sa bigarure, ses accents, son dynamisme. Elle le fait rayonner à l'international. C'est une ambassadrice de la francophonie. Plusieurs de ses titres comme « Dja Copine » ou « Pouki » sont devenus des hits à l'étranger. Ils sont tous en français. En 2018, elle est même la première française à se classer en tête du hit parade aux Pays-Bas depuis Edith Piaf en 1961. La presse étrangère se l'arrache en une de Forbes, Vogue, Vanity Fair ou encore le New York Times. Le monde entier en clair aime Aya Nakamura. Quand on réfléchit au, au succès international d'Aya Nakamura, faut s'enlever l'esprit français et le regard français. Aux États-Unis, en Amérique latine, euh, en Afrique anglophone, en Asie, Aya Nakamura, c'est pas une franco-malienne des banlieues, c'est pas une artiste de rap, c'est la France. C'est une certaine France évidemment. Mais c'est une France qui a à voir avec Juliette Gréco, qui a à voir avec Bardot, qui a à voir avec Coco Chanel, qui a à voir avec Françoise Hardy. C'est la France des femmes. Jordan Bardella, un académicien, nous dit qu'elle ne fait pas de mal à la langue française. Elle fait briller la musique française à travers le monde. Son allure s'affiche en une des journaux prestigieux que vous venez de voir. Pour les membres de l'extrême droite, est-ce que ce n'est pas uniquement la couleur de peau d'Ayana Nakamura qui pose un problème Alors, vous avez donné tous les chiffres, euh, 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 sauf ce que pensent les Français. Et il y a un sondage qui a été fait par, euh, par vos confrères de RTL, par l'Institut Odoxa, et on a posé la question aux Français, d'ailleurs on leur a dit euh, concernant avec Ayana Kamura, diriez-vous qu'elle représente bien la musique française vous connaissez la réponse Non, mais on ne vous demande Attends, pas allez. de lire des sondages. On vous non demande mais, votre avis. Mais très, mais non, mais non, attendez, je vais répondre. Euh, mais d'abord, il faut, il faut que toutes les informations soient données. Non à 73%. Alors moi je, vais vous donner, moi je de moi, la moi, mais non mais non à 69%. moi, je vais alors, vous donner une autre je information vous plus mais, importante. Vous avez pas Marine pas Le Pen a dit la semaine dernière « Aya Nakamura humilie la France ». Maya Nakamura humilie la France. Qu'est-ce qu'elle a et qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'elle soit considérée comme humiliant la France Je vais vous répondre, Monsieur Cohen. Moi, je pense que, d'abord, Ayanna Kamora a un succès mondial qui est incontestable. Oui, on vient de Indérim. faire le constat. Oui, bon. bah, je, je voulais vous donner les chiffres parce que c'est bien. Non, mais attendez, c'est bien d'avoir aussi l'avis des Français. Je veux dire, quand les Français vous disent à 80 qu'elle ne représente pas bien la France, ça ne veut pas dire l'art il est subjectif. Donc, il y a Donc des vous gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Les Français, Moi, je, les Français, ça non, je pense deux choses. Moi, je pense qu'on aurait peut-être pu, au regard de l'avis des Français, choisir. Un artiste ou une artiste beaucoup plus consensuelle. Et deuxièmement, mais ça c'est ma conviction personnelle, je pense que quand on a été condamné pour violence conjugale, on ne peut pas représenter la France. Ah, c'est ça, c'est en ça qu'elle humilie la France Quand on a été condamné pour violence conjugale, je pense qu'on ne peut pas représenter la France dans un événement sportif qui nécessite l'unité, l'apaisement. Et le rassemblement... Ça, ça c'est ma hein. conviction. Très, très non, très bon, on m'a demandé mon non. avis il y a Elle quelques minutes la je l'ai donné. C'est un ça. argument que je n'avais jamais oui. entendu oui, jusque-là. On non, vient bon, de voir bien. arriver okay. cet argument. Là, Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt le... le bon argument, c'est sa condamnation pour violence conjugale. J'ai été interrogé ce week-end par vos confrères, j'ai répondu, vous me demandez mon avis. Je pense que dans un événement comme les Jeux olympiques, qui fédèrent, qui rassemblent, qui unit, je pense que tout doit être fait pour rassembler, pour fédérer, pour unir. Ah, donc. Je vous réponds. C'est pas, pas, pas sa langue, c'est pas sa tenue, c'est pas son pas, aspect. Vous me demandez mon avis, je vous donne, donne ma, ma, Non, non, je vous pose la question. Je, je, je vous donne mon avis, je vous le donne. Okay. Et je pense que, et, compte tenu de l'avis des Français, du, 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 des approbations à 80%, on aurait peut-être pu choisir une figure peut-être plus consensuelle ou avoir plusieurs, plusieurs plus artistes. Plus consensuelle vu son niveau de popularité. Ah, bah là, pour le coup, effectivement, c'est unanimité contre elle d'après vos confrères Bertel ou Dodoxa. Mais c'est pas moi qui ai fait le sondage, si vous voulez. C'est 60%. unité, rassemblement, appel. Et tout va bien se passer. Bon, d'autres sujets à vous soumettre dans le 5 sur 5 de Laurent Sénéchal? Proviseur du lycée Ravel à Paris, reçu à Matignon. Oui, Gabriel Attal, le Premier ministre, a tout à l'heure voulu lui manifester son soutien ainsi qu'à la communauté éducative. Ce chef d'établissement se met en retraite anticipée. Par sécurité, il est visé par des menaces de mort après avoir interdit à une élève de BTS de son lycée de mettre son voile. Un événement commenté, mais surtout, vous allez voir, déformé par les élèves rencontrés par Benjamin Delmas et Salomé Delâtre. « Au tout début, on a, on a entendu qu'il euh, qu y a eu euh, une élève qui a été euh, frappée. »« Parce qu'elle portait son voile et qu'elle n'avait pas voulu euh, l'enlever. »« Tout le monde disait qu'il l'avait giflé. »« Il y avait une odeur euh, d'alcool euh, venant du proviseur. »« Par exemple, la gifle non plus, on n'a pas vu de preuve. Enfin, personne ne sait. »« C'est vrai que malheureusement, les, les, les rumeurs, ça va très vite et ça peut vite prendre une ampleur. Et voilà, on en arrive à là. Et pour moi, c'est pas à prendre à la légère. » Ah, L'élève de BTS, elle avait en fait porté plainte pour violence, une plainte classée sans suite par le parquet de Paris qui, au contraire, a ouvert une enquête pour cyberharcèlement contre le proviseur. Le départ, en tout cas, de ce chef d'établissement du lycée Maurice Ravel est compris par le corps enseignant et aussi par le syndicat des chefs d'établissement FSU. On le comprend, hein. il a tout fait pour que tout se passe bien. On trouve ça injuste. Enfin, dans l'ensemble. En tout cas, pour ma part, je trouve ça injuste. C'est le principe même de, 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 des réseaux sociaux, ça part très vite. On n'est jamais préparé parce que ce n'est pas notre cœur de métier. Là, c'est une rencontre fortuite qui conduit à des réactions qui, qui, qui partent de manière beaucoup trop importante au, au, au niveau des réactions dans les réseaux sociaux. Voilà, la question de la laïcité elle est particulièrement sensible dans les classes. C'est ce qu'explique Audrey Payas, Yannis Roder, qui est prof de collège en Seine-Saint-Denis et directeur de l'Observatoire de l'éducation à l'Institut Jean Jaurès. D'une manière générale, la laïcité est appliquée. En revanche, ce qui est plus difficile aujourd'hui, c'est de faire comprendre les bienfaits de la laïcité. Et là, il y a tout un travail pédagogique à faire. Et je crois qu'il y a d'autres modèles qu'il faudrait montrer en disant, voilà, si on n'a pas la laïcité, voilà ce qu'on peut avoir comme modèle, voilà ce qu'on peut avoir comme modèle. Et je pense que là, ça peut faire réfléchir. – Jordan Bardella, est-ce que vous saluez le fait que le gouvernement se montre aux côtés de ce chef d'établissement qui a donc été reçu jusqu'à Matignon ?– Il faut pas seulement se montrer aux côtés, il faut agir. Voilà. Or quand on apprend qu'il y a un, un plan de retraite anticipé qui a été proposé euh, à ce proviseur… Ah, – À sa demande, pas, ça pas été, ça ouais, a mais été enfin, proposé écoutez, à ce proviseur. – On a, on a un dire. peu le sentiment que l'idéologie du pas de vague est encore là dans l'éducation nationale. – Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ?– Et cette idéologie du pas de vague, il oh, faut refaire l'histoire du pays depuis 30 ans. – Ah euh... Et, et, et j'ai bien, bien conscience que si nous arrivons au pouvoir, nous hériterons d'un pays euh, où, euh, dans un certain nombre de domaines, nous menons une course contre le temps. Et nous menons une course contre le temps parce que la République française est confrontée à une idéologie, l'islam radical, qui est de plus en plus vindicative, qui revendique, qui cherche à conquérir l'ensemble de l'espace public et qui précisément cherche... Au moment où nous nous parlons, à imposer à toute la société et à tout l'espace public ses propres interdits. Donc, donc il on faut on fait mener quoi, là, avec ce chef d'état. Qu'est-ce qu'on aurait pu mener, faire quelques semaines ou quelques mais mois Mais c'est, il faut tout revoir. Pardonnez-moi oui, du, du sol au plafond. En quelques non, mais là, semaines, là, en quelques mois. Que parler, on non, mais on mais attendez. attendez, attendez. Oui. On parle de en cette affaire. Oui. Oui. En fait, vous me poussez dans le vide sans parachute et puis vous me dites qu'il n'y a pas de parachute. Qu'est-ce que vous faites Je vous réponds que c'est un système global. Il faut mener une lutte contre l'idéologie islamiste pour protéger nos enseignants qui aujourd'hui vont travailler la peur au ventre. Donc nous avions proposé porter pendant la campagne présidentielle une loi contre les idéologies islamistes. Il faut lutter contre euh, l'islamisme sur Internet. Il faut lutter contre l'islamisme dans, dans la sphère publique, par tous les signes euh, de, de revendication. Euh, les mosquées radicales, les étrangers euh, radicalisés qu'il faut expulser du territoire français. Il faut soutenir les enseignants, écarter les élèves perturbateurs. Il y a des dizaines de mesures aujourd'hui de bon sens consensuel qu'il faut avoir le courage de mener. Mais je dis une chose, nous menons une course contre le temps. Et si nous n'agissons pas maintenant, et si nous rétablissons sont pas l'ordre, la défense de la laïcité dans nos écoles, alors euh, euh, les islamistes auront gagné la guerre. Et, et on a un peu le sentiment aujourd'hui que les radicaux ont déjà gagné. Des parents portent plainte contre TikTok accusé d'avoir joué un rôle dans le suicide de leur fille. Oui, c'est une adolescente de 15 ans, Marie, qui s'est suicidée il y a trois ans après avoir parlé de son mal-être sur TikTok dans une vidéo qu'elle a elle-même postée. Elle a ensuite été inondée de suggestions, poussée à regarder d'autres vidéos qui l'enfermaient dans ses pensées suicidaires. C'est ce que raconte sa maman à RTL. J'ai pu voir sur son téléphone tous les contenus d'automutilation, de la propagande, de moyens de se donner la mort. On lui envoyait des chansons qui prônaient le suicide, hein, que c'était une libération. Stéphanie, la maman, a donc porté plainte en septembre dernier contre TikTok pour provocation au suicide et elle voudrait être rejointe par d'autres mamans, d'autres familles. C'est ce que dit son avocate, Maître Boutron-Marmion. Si l'on veut que la justice soit à notre écoute, il faut qu'on soit en rang serré. Et donc c'est l'idée de ce collectif, c'est de faire venir à nous et de rassembler le plus de parents ou même de jeunes majeurs qui ont été en proie euh, aux réseaux sociaux dans leur minorité et qui ont vécu cet engrenage vicieux, euh, cette exposition aux contenus nocifs et dangereux et qui a dégradé leur état de santé, qui a parfois conduit certains à commettre l'irréparable. Voilà, elle voudrait intenter une action de classe, une classe actionne comme on dit, une action de masse. Aux États-Unis, le débat va encore plus loin. TikTok est menacé d'interdiction. Oui, il y a deux semaines, républicains et démocrates ont voté ensemble, c'est très rare, à la Chambre des représentants pour obliger le groupe chinois à vendre sa branche américaine sous peine d'interdiction pure et simple. Ça a fait bondir Pékin. Si, pour et figurez-vous qu'il y a déjà un acheteur potentiel de TikTok Amérique. C'est un proche de Donald Trump, comme Elon Musk d'ailleurs, qui possède déjà le réseau X ancien Twitter. C'est l'ex-secrétaire au trésor de Trump, Steve Mnuchin. Jordan Bardella, vous, vous avez plus d'un million d'abonnés sur TikTok, vous postez euh, une vidéo par jour. Est-ce que vous vous méfiez pas de l'utilisation de vos données par ce géant chinois oh, Évidence, on le sait. Et on sait que TikTok, euh, je crois d'ailleurs que les propriétaires de TikTok euh, ont, ont deux grandes applications, dont une qui marche très bien en Chine, qui leur permet de faire rentrer de l'argent et TikTok, qui coûte de l'argent, est utilisé... Ah non, TikTok en fait, rapporte énormément d'argent, 16 milliards d'euros, 13 milliards de dollars aux Mais TikTok est utilisé essentiellement pour capter de la data. Pour, pour rebondir sur le, le drame dont, dont vous avez parlé, en fait, je pense que ça pose la question plus globale, à laquelle j'ai l'humilité de dire que je n'ai pas de réponse au moment où nous, nous parlons, du rapport aux écrans. Et on voit bien que le rapport aux écrans amène à, à, à ce que je considère être l'une des nouvelles grandes fractures sociales, qui est la solitude. La solitude dans notre société, que ce soit par l'intermédiaire des réseaux sociaux du harcèlement chez les jeunes, mais aussi de l'isolement de nos personnes âgées, sera à mon sens l'une un, des plus grandes fractures sociales et l'un des grands défis de, de, notre, de notre époque et du siècle qui vient. Pour conclure, des images qui nous proviennent de Corée du Nord, qui censure le jean d'un jardinier britannique. Oui, c'est le jean du okay. Stéphane-Marie anglais, en gros, hein, puisque c'est le présentateur de l'équivalent BBC de notre Silence, ça pousse. Il est souvent agenouillé, vous voyez, en jean pour jardiner. Et bien, un épisode de 2010, Allez savoir pourquoi, est diffusé régulièrement en Corée du Nord. À chaque fois, il est flouté, comme vous le voyez là, pas de jean. Ce jardinier animateur de la BBC s'appelle Alan Titmarch Il est surpris par cette censure. <laughs> voilà il a encore été diffusé en corée du Nord lundi cet épisode c'est flouté parce qu'en Corée du Nord le jean depuis les années 90 est considéré comme un symbole de la mode capitaliste interdit donc, dans le pays, et il ça il explique il cette censure. Il humilie la Corée. Il humilie la Corée sans aucun doute. Et c'est un épisode. Euh, ah non, ça, c'est une politique nord-coréenne des années 90. Les années 90. Voilà. Le djinn considéré comme un symbole de la mode voilà. capitaliste. Je ne demande pas une réaction politique. Bah euh, J'espère que vous n'allez pas me faire la même chose, parce que vous n'êtes ouais. pas en grand, même pas. Mais... D'accord. Merci beaucoup, Jordan Bardella, Merci président du Merci Rassemblement beaucoup. national, tête de liste, euh, RN aux élections européennes et puis député européen. Merci d'avoir accepté Merci ce soir dans notre, notre invitation. Dans un, dans un instant, Tony Delon à l'occasion de son premier roman « Bastingage ». Florence Foresti pour son spectacle « Boys, 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 boys. ». L'œil de Pierre, les radoteurs, les actualités de Bertrand et le c'est à vous. On vous attend. On est en direct jusqu'à 21h.